Salut à tous, soyez bienvenus sur Shiny Gaming, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous emmène avec moi à l'hôtel Bloom à Bruxelles. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai été invitée il y a quelques jours par PlayStation à aller y passer une soirée très spéciale et je vous prends avec moi pour vous montrer tout ça. Alors je me trouve donc, comme je le disais, à l'hôtel Bloom à Bruxelles parce que j'ai été invitée par PlayStation à sa Playlink PJ Party. Donc une petite pyjama party bien sympathique où on va passer une sacrée soirée et où on va dormir, on va rester dormir. Bon, on va pas dormir pendant le PJ party, hein. On va dormir après. Parce que PlayStation nous invite à rester dormir ici et à prendre un super bon petit déjeuner demain matin. Franchement, si c'est pas grave stylé tout ça. Et je vais tout de suite vous montrer la méga chambre que j'ai eue. Voilà, donc on part sur une petite chambre bien sympathique avec un lit king size, trop cool, un décor unique parce qu'il faut savoir que à l'hôtel Bloom c'est tous des décors différents. Voilà, par exemple ici c'est la chambre 831, c'est Kate Snow qui a fait ça en je ne sais plus quelle année, c'est marqué quelque part, je l'ai vu quelque part, je ne sais plus. Enfin, en tous les cas, voilà, c'est un décor avec des serres, tout ça. Ça pourrait même être des rennes, hein, ça peut faire un peu Noël. Alors, on a un petit fauteuil sympathique pour se reposer. Une lampe design. Là, j'ai déjà fermé les rideaux, mais sinon, voilà. La télé. Le petit coin bureau. Hop. Franchement, très, très, très stylé comme chambre. C'est vraiment sympa. Je peux même repasser mes vêtements si je veux. Et là, on passe sur la salle de bain. Voilà. Avec un petit évier. Tout orange et le petit coin à douche. Voilà, voilà. Donc, et là, on va passer. Et là, c'est moi en voyant un bout de pyjama, mais on va pas montrer trop. Mais oui, pyjama party dit que on doit être en pyjama, évidemment. Je vous montre. Donc, dès qu'on rentre, on avait un petit cadeau de bienvenue bien sympathique, à savoir les petites pantoufles Playlink. PlayStation 4, la petite invitation, hein, voilà. Le t-shirt, très très stylé, j'aime beaucoup d'ailleurs le t-shirt, il est très sympa. Et alors, un petit chargeur, hop, aux couleurs, on va l'ouvrir, aux couleurs de Playlink, voilà. Très 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 sympa. Ça, c'est des petits cadeaux qui font quand même grave grave plaisir. Alors, bah, qui dit PJ dit pyjama party, donc voilà, on s'est mis bien. En pyjama avec les pantoufles et tout le bazar et on va aller tout de suite découvrir ce que la pyjama party nous propose. Comme vous voyez, ils sont tous en tout beau pyjama. Ça c'est classe, hein. Pyjama assorti. Et on va même pouvoir profiter de super bonnes petites douceurs à manger. Décidément, on nous régale ces derniers temps. Cette fin d'année, le PlayStation a clairement craqué son slip pour nous inviter. Et regardez ça, des mini hamburgers. C'est pas trop la classe là. Ouh, on va les manger. Et ça, des petits trucs chinois, j'adore. Donc on va aller déguster tout ça avant de jouer. Ah,
Et moi j'ai explosé dans l'air. Ah non, moi. Non, moi j'ai explosé. On va passer dans une chambre parce qu'en plus du lounge, il y a une chambre où il y a deux jeux PSVR à tester. Alors en plus, c'est deux jeux qu'on a déjà testés mais qui sont vraiment très très sympas. Space Pirate et Beat Saber. Je vous les recommande vraiment tous les deux parce qu'ils sont vraiment super. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc, c'est une vraie pyjama party puisqu'on est dans une chambre d'hôtel, de l'hôtel. On passe. Tout le temps. Voilà. Tout le temps. Pardon. C'est tout. Donc voilà, on a Beat Saber ici. Vous voyez, hein, tranquillement, petite pyjama party dans les chambres. Et nous avons Gianni ici qui est sur une petite partie de Space Pirate. Voilà, très 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 sympathique. Pyjama party, c'est fini. Donc on s'est vraiment très 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 bien amusé, c'était vraiment très sympa. On a pu jouer donc entre autres, je vous l'avais dit, à Beat Saber et Space Pirate, mais au niveau du Playlink, on a pu jouer aussi à Knowledge is Power, je crois, j'ai un doute sur le nom maintenant. On a joué à Shim Party. Et alors, on a joué à Fantrix, et je mets un gros coup de cœur sur Fantrix. Alors, c'est le même genre que Chim Party, hein, c'est des mini-jeux comme ça qu'on peut faire jusqu'à 4 joueurs. Ça se joue avec le smartphone, et Fantrix, c'est dans le même style, mais avec des animaux un peu style pâte à modeler, comme ça, dans le design. Je trouve ça très très sympa. Ça change un peu, et voilà, c'était d'autres genres de mini-jeux, mais très très chouettes. Donc je mets mon gros coup de cœur à Fantrix donc dans le playlink. Et ben voilà, maintenant on va aller faire un gros dodo, même s'il est déjà quand même assez tard, hein, pour tout vous dire, il est quand même 1h du matin. Et voilà, on va se lever demain avec les yeux qui vont piquer, je crois, mais c'était pour la bonne cause, c'était vraiment très très chouette. Je dis merci beaucoup à PlayStation déjà, mais bon, on va quand même se retrouver encore demain matin pour le petit déjeuner, hein. Et donc je conclue en vous souhaitant une bonne nuit et je vous dis à demain matin pour le petit déjeuner. C'était une nouvelle journée. Bon, ben vous avez vu un petit peu le petit déjeuner. J'ai pas pu trop filmer parce qu'il faut quand même respecter. Un petit big up à la camionnette gaufre qui était dans la salle où on déjeunait. C'était vraiment cool. On pouvait faire ses gaufres soi-même là-dedans. C'était sympa. Et sinon, ben voilà, très très chouette événement. Vraiment, si PlayStation m'entend, à refaire. C'était vraiment très cool. Et ben je dis un tout grand merci à PlayStation pour nous avoir offert un si beau cadeau en ces fêtes de fin d'année. Voilà, et nous, ben on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tout le monde, ciao! Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et ben, si le cœur vous en dit, en cliquant sur une des deux vidéos, là, vous pouvez en regarder une autre. À très très bientôt. Merci à tous. Ciao.